pom pom pom, c'est l'émission numéro 171, ou comme on dit dans les pays civilisés, 171. Une émission un peu spectaculaire, spéciale, puisque en face de nous on a l'iPad 2, on a un grand projecteur, on est dans les locaux de MediaBox que je dois saluer parce que c'est pour eux que je travaille ici et pour eux que je fais des formations en France. Si vous voulez plus d'infos, vous me contactez, vous allez voir sur ios.podcast.biz. Et puis il y a plein de gens autour de moi que je vais présenter, des gens qu'on a entendus de temps en temps en tant qu'auditeurs, comme par exemple Pascal qui est ici avec nous, Pascal Marie. Salut. Voilà. Alors malheureusement, tu as laissé ton père en Espagne. Eh non, par contre, je me suis planté, il est en Belgique. Voilà, c'est ça, pays natal, j'ai dit. Mais c'est vrai, tu as raison, je suis né en Belgique, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé en Belgique. Tu sais, moi aussi, j'étais en Belgique, c'est vrai. Personne n'est parfait. Bonjour à Bernard, évidemment. Et puis Zarès, qui est avec nous. Salut. Faut crier très fort. Salut. Non, par contre, comme on enregistre son micro interne, c'est pour ça qu'il faut crier très fort. Alors, quand on parle de pays étrangers, toi, bientôt, tu vas nous quitter pour aller dire bonjour aux Vietnamiennes. Voilà, je pars au Vietnam pour travailler là-bas. Je ne sais pas pour combien de temps. Je vais faire un peu comme Raulito qui part au Maroc pour un petit peu et puis qui reste. Au niveau salaire, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Et c'est exactement la même chose. Voilà, je serai payé moins que la valeur de cette machine sur laquelle on enregistre par mois. Alors par contre, au niveau salaire, Rock travaille chez EDF. Donc Rock est avec nous aussi. Salut. Alors comment ça va bien? Ben ça va bien. Alors en parlant de tout le monde, moi je suis à Paris. Je reste à Paris. Ouais, et à ma droite, donc la chère Alia, qui est donc toujours aussi à Paris, mais qui est passée par l'Afrique à une époque. Ça va? Oui. Dites bonjour, elle écrit très fort bonjour. Elle a dit bonjour, je crois. Donc en fait, ils savent pas de quoi on va parler, alors qu'on vient d'annoncer un truc énorme, l'iPad 2, qui donc est blanc, mais aussi noir. Mais on sait pas s'il sera blanc hein, au moment où il arrivera. Pas de racisme, Pascal. Voilà. Par contre, le problème, c'est qu'on va commencer par un terme qui va fâcher, c'est que j'ai failli commander un iPad ce soir. Ouais, un iPad 1. Voilà. En gros, tu m'as sauvé. D'ailleurs, si tu veux m'acheter un iPad 2 pour me remercier, il n'y a aucun problème. Faites très très grave, tant que l'iPad 2 n'est pas disponible, si vous allez sur l'Apple Store, il y a des iPads pour pas cher, mais il y a un truc. Oh mais t'inquiète pas, d'ici à ce que le podcast sorte, il y aura les iPad 2 qui sont en ligne. Ouais, ça va être compliqué. Style. Phil va te faire ça le montage, non? Ah ouais, Phil Schiller. Ah non, Phil Good. Salut Phil. Ouais, bonjour Phil Good. Et puis, donc l'iPad 2, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? L'iPad 2, il est thinner, il est plus mince, il est lighter, il est plus léger. Il est plus rapide. Il est faster, il est plus rapide. Il a une couverture. Il a une couverture, oui. C'est pour l'hiver. Il a une smart cover, une couverture intelligente. J'adore ce concept, smart cover, c'est une couverture. Je regardais à l'hôtel ce soir, c'est une couverture intelligente. Ouais, c'est tout, c'est la même différence entre un phone et un smartphone. Voilà. Un monde de possibilités. Et il a donc FaceTime, donc on va pouvoir faire. Coucou la vidéo comme ça. FaceTime, donc ça ouvre des nouvelles possibilités avec l'iPad et toujours la même batterie. Donc on va faire un petit tour de table pour voir les impressions de cette soirée et de cette présentation de l'iPad. Alors on commence par toi Pascal, puisque tour de table d'ailleurs sans table, mais elles sont autour. Oui, alors c'est très particulier. Il y a les brownies, si vous voyez des morceaux de brownies à droite et à gauche, et un jus de pomme France et un jus d'orange Brésil, c'est normal. On a fait une petite sauterie avant. Voilà. Bah écoute, moi l'iPad 2 pour le moment c'est juste une mise à jour, rien d'exceptionnel. L'ajout des caméras, bon, bah, c'est Apple qui formate un peu tous ses produits en ajoutant FaceTime à droite à gauche. Ça justifie sûrement les 79 centimes d'euros que j'ai payé sur le Mac App Store pour l'ajouter à mon ordinateur. Et je me suis dit, tiens, il faudra bien que ça serve un jour. Voilà, bon, sinon, oui. Finalement, la grosse révolution pour moi, c'est plus cette sorte de couverture intelligente qui va te coûter très très cher. Ah, on connaît pas le prix, par contre. Tu fais bien si, on dit dans les trucs, c'est. 39$ en normal et 69$ en cuir, un truc comme ça. Alors je vais la draguer ici parce qu'on peut en plus, il y a une animation. Ah ouais, sur le site là, ouais, on sent ils ont mis toute l'équipe d'ingénieurs à HTML5 sur la couverture. Ah, il y a une product thread. Ah, il y en a en cuir en fait. C'est ça que j'ai pas compris. Il y a 5 en poly, je sais pas quoi, et 5 en
En cuir est deux fois plus. Mais elles sont toutes. Mais il n'y a pas de prix, hein. Je sais pas moi. Nous on a suivi la keynote. Pendant la keynote, ils ont dit que c'était 39$ en plastique et 69$ en cuir. Ça fait cher le gadget. Ouais, donc toi, ton highlight, c'est le cover. Ah, disons, je trouve que c'est le produit qui est le plus Apple. Il y a des belles couleurs en plus, hein. Le bordeaux là. Ça ira bien avec la chaussette des iPods. N'empêche, la chaussette des iPods, ça faisait toute la différence. Tout à fait. Quitte à avoir un Samsung dans la chaussette iPod, ouais. Ça permettait, comme les modèles changeaient souvent, si tu vas te brancher là, tu vas me faire un gros bruit sur le micro, c'est gentil. Branche-toi plutôt sur l'autre ordinateur qui tourne, là, l'iMac derrière. Tu vas m'en servir du bloc, Alia. Je vois aussi qu'Apple, depuis iPhone 4, n'arrive plus du tout à contrôler son image de produit. C'est-à-dire qu'on avait déjà tout vu, voire même, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Vegas, on avait déjà vu la coque, puisqu'il y avait des mecs, des petits marins qui avaient déjà fait le moule de l'iPad 2. Donc. Vraiment, je ne sais pas, je crois qu'Apple a beaucoup de mal. Ils ont beau dire que 2011 sera une grande année. Allez, tu peux revenir dans la caméra. Pour moi, le plus impressionnant pour le moment, c'est l'iPhone. En software, je trouve qu'il y a pas vraiment de dessus. Tu te rends pas compte à quel point, pour le pédale de la rue qui est vraiment la cible de base de l'iPad, avant tu pouvais dire ouais, l'iPad du pas de caméra frontale. Maintenant, je suis pas sûre qu'ils s'en servent plus. Mais l'argument de vente est canon, c'est tout. Hein, le but. C'est pas faire une exceptionnelle iPad. Hein. Moi, je suis sûr que FaceTime, ça va tuer sur l'iPad. Photo boost. Photo boost. Une fois que t'as fait une démo photo boost à quelqu'un, il n'a pas le choix, il achète le truc. Bref, avant de dépenser la somme de l'iPad en photo maton dans le métro. Ils vont refaire un Billy Poulain avec un iPad. Par contre, la somme du photo maton pour la faire avec un iPad. Ça tombe bien, je remets dans le quartier d'un Billy Poulain d'ailleurs, au passage. Stuff, t'as des infos sur la résolution des caméras, en fait. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est les tech specs du cover ou... Ah non, c'est blanc et noir, c'est bon. C'est de l'iPad, c'est bon. La fond de caméra, elle est comment? Alors, les caméras sont en 720 derrière avec un zoom 5 fois digital. Donc, c'est du 720p ce qu'ils avaient. On en parlait tout à l'heure. Front caméra, VGA. Les front caméra, VGA. Voilà, en front, c'est du VGA, en back, c'est du 720p. Mais c'est pas pour faire des photos. Ah oui, d'accord. Pour faire des vidéos. C'est pour faire des vidéos. Alors tape tout contrôle exposure, photo et vidéo geotagging. C'est plutôt pas mal. Ok, c'est un peu les caracs de. Ah, il est marqué Still Camera with 5-Snap Digital Zoom. Donc il y a une caméra avec laquelle il faut faire des photos, mais ça restera en 720p, donc c'est pas la gloire. Mais on s'en fout parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas faire des photos avec son iPad comme ça dans la rue. Non, ça va plus permettre. L'idée, c'est plutôt. Moi, ce que je vois plutôt, c'est l'idée, c'est plutôt. T'es à la maison, genre ma mère m'appelle, je parle avec elle, et puis comme sur l'iPod 4, je switch et je montre mes filles, quoi. Tu vois, c'est le même concept que sur l'iPod 4. L'iPhone 4, sur l'iPod 4. Je quand même aussi un petit peu le concept si t'es en réunion et que, un cabinet architecte, on compte la maquette, vite tu la prends en photo, direct avec ta machine, t'as pas besoin de sortir un deuxième truc pour prendre la photo. La caméra de derrière, ça peut servir pour les applications de réalité augmentée, je pense. Par contre, avec 720p, on peut faire vraiment des gros trucs où tu tiens un truc comme ça et tu vois à travers transparence avec des trucs qui s'affichent et, au niveau. Quand tu auras pour une assurance, c'est le nombre de bagnoles que tu vas te prendre. déjà, moi avec l'iPhone, j'ai fait parce qu'il y a trois fois rien qu'aujourd'hui. Mais alors, l'iPad comme ça dans la rue. Je crois qu'on va te réinviter. T'as gagné ton ticket. Quelle chance, parce qu'il y a un lien. Je vais dire, je la réinvite pas toujours. À la fin, t'as un t-shirt. T'as un bon staff là, comme ça. Attention. Moi, je suis quand même d'accord avec Alia. C'est maintenant qu'ils ont sorti un processeur A5 là, avec double cœur, des caméras de face et derrière. Ils ont les mêmes specs techniques que toutes les tablettes qui vont sortir en 2011. Donc on ne peut rien reprocher à l'iPad en disant t'as pas les mêmes specs, ou des specs moindres que les autres tablettes qui vont sortir. Je ne sais pas, moi quand j'avais été la première fois à la Fnac Odéon, qui est à Paris, la Fnac Digital en fait, où Apple communiquait le plus avant qu'ils ouvrent les affaires, ils avaient bien précisé que l'iPad était un périphérique comme une imprimante et pas un ordinateur.
En fait, ils n'ont toujours pas ajouté de port USB. Enfin, le produit reste le même, alors que les autres tablettes s'inscrivent plus comme des remplaçants de... Ah ben c'est un peu le problème, justement. Ouais. C'est ce que Steve Jobs a raconté, c'est-à-dire que les autres, ils veulent en faire un PC, alors que c'est pas du tout un PC. Tous les IPC, mini-PC, là, ça pouvait remplacer carrément un PC. La même chose, ça pouvait remplacer, et du coup, ça a cannibalisé les ventes de PC, sauf que les marges sur les petits PC, bah, c'est pas les mêmes. Vous voulez dire que ça a cannibalisé les ventes de vrais PC. Pendant les 30 prochaines semaines, je vais pas parler parce que j'en ai un brownie dans la bouche. Oula. Donc, silence maintenant. C'est le seul film pour les commentaires audio intégrés directement. Moi, ça, je vais faire mon commentaire que Stuff m'a demandé de faire tout à l'heure. Comme nouveauté, c'est juste un iPad plus rapide, plus fin et. Et c'est quoi le traîner Quelle caméra le 3DM Plus c'est plus beau, plus joli. Et c'est Samsung qui les envoie, les deux-là. Non, mais ils ont raison. Je pense que, comme disait Alia tout à l'heure, ça a été fait pour un public qui n'est pas nous, des geeks. C'est un public de personnes âgées. Non, je suis pas d'accord. Ah oui, bah si, attends, quand tu regardes le FaceTime... Ils ont utilisé des ordinateurs comme la merde de stuff. Qui est-ce le problème, Mousseline? Qui est-ce qui a un iPad là qui l'utilise pour prendre des notes? Le principal, c'est ce que j'ai dit et ce que tu as finement résumé, mais honnêtement, il y a quand même tout le marché des professionnels qui ont... Ah oui, avec... Qui n'est pas si important, mais par exemple... Regarde, mais, d'ailleurs ils l'ont montré dans leur truc, avec le garage. Vous avez gagné sur le thème Steve Jobs, c'était vital, d'où l'avez-vous dit. Il faut quand même préciser. C'est très utile dans les hôpitaux. Non mais d'accord, mais l'iPad 1 le faisait déjà. Bien sûr. Donc le 2 rajoute, parce que déjà rajoute pas grand chose. Là par contre, avec GarageBand, ça va attirer les musiciens, plus déjà qu'ils le sont. Ouais. Et je pense que là, tu peux aussi avoir pas mal de DJ, je trouve que c'est pas mal pour mixer, pour travailler. Moi je dis pas DJ. Oui, mais tu le faisais déjà avec l'un en fait. Voilà, c'est mais c'est évident, rajouter la caméra, c'est un plus, c'est rajouter un processeur plus rapide pour faire... C'est l'évolution normale, quoi, ils ne pouvaient pas faire moins. Tu ne vas pas faire un produit complètement révolutionnaire à un an du coup. Alors par contre Pascal a eu une idée tout à l'heure totalement révolutionnaire. Voilà, j'ai dit que des conneries, alors j'ai très très peur. Non, c'est quoi? Non, ton idée révolutionnaire comme quoi, c'est terriblement ennuyeux parce qu'il est plus fin et plus léger. Bah oui, c'est plus révolutionnaire chez Apple maintenant, c'est toujours plus fin, plus léger. Ah oui, c'est plus marrant qu'il dit... Plus gros, plus lourd, plus épais, quoi. Moi, il nous aurait choqué, quoi. Plus gros comme ça, là, tu vois. Et il pèse donc 4 kilos. Et ça, personne ne le fait. La brique. Ah ouais, non, bah c'est vrai. C'est bon, le high brick. Ils l'ont fait une fois quand ils ont sorti l'iPhone en mettant l'iPod avec le cadran, le fake mais, qu'ils avaient fait lors de la sortie de l'iPhone. Il était en plus, voilà, à San Francisco. Ils l'ont fait une fois, ils peuvent pas le refaire à chaque fois en disant finalement, on a sorti un truc plus gros qu'avant. Il ouais, faut quand même préciser que c'était quand même incroyable, c'est que Steve Jobs était présent. Alors que ça, c'est vrai. Et il avait l'air en pleine forme de ce qu'on a vu sur les photos. Sur les photos ouais. Il avait l'air en meilleure forme, effectivement, qu'à la keynote d'avant. Il a eu raison d'aller se reposer. Ouais, c'est ça, on s'est pas reposé. Se reposer, enfin, il a pas l'argent. Par contre, on n'a pas encore la vidéo du vrai event, je pense qu'ils vont carrément pas la mettre parce qu'ils ont tellement une vidéo tellement longue d'intro de l'iPad 2 que cette vidéo, à elle seule, fait genre 10 minutes. Donc maintenant c'est à toi en gros de descendre en masse l'iPad puisqu'on continue. Non, moi je vais pas le descendre, c'est l'évolution normale, on pouvait pas en attendre moins. On aurait pu espérer. Donc c'est bien, maintenant iOS 4.3, bah ouais ça va avec le nouveau iPad 2, mais moi je sais pas ce qui me fera acheter l'iPad 2. Je pense que je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà le 1. Ouais. Moi, ne pas acheter. Je suis contente d'être là. Tout le monde va se moquer de moi. On va lui demander dans deux semaines. Ouais, mais non, on va craquer. C'est là où tu vois quand même qu'Apple perd un public, c'est que quand t'es fanboy, normalement tu achètes tous les produits. Je trouve que je suis peut-être un peu moins fanboy qu'avant. T'achètes pas tous les produits quand t'es fanboy, t'achètes 5 ordinateurs différents dans l'année. Ah, tu attends pas deux générations pour changer. Ben non, c'est marrant, moi j'achète un d'accord. Faut jamais dire jamais, je dis pas que j'achèterai peut-être dans 6 mois, je sais pas, mais là. Vu les specs, à moins qu'il y ait des applications qui tournent que sur l'iPad 2 parce qu'il a un processeur plus puissant, des processeurs graphiques plus puissants, mais sinon, si les mêmes applications iMovie GarageBand tournent avec iOS 4.3 sur l'iPad 1. C'est pas précisé d'ailleurs s'ils tournent sur l'iPad 1. Non, c'est pas. 4.3, tu veux dire 4.3, non, oui. iMovie GarageBand, c'est pas précisé. Alors, c'est pas précisé effectivement, mais il y avait les apps avant qui étaient dessus. Bon, je vais y aller moi un petit peu parce que je trouve que vous êtes vachement brutal en fait.
Parce que quand tu dis qu'on aurait pu s'attendre, c'est le minimum auquel on aurait pu s'attendre. D'abord, on n'était pas obligé à s'attendre avec deux caméras en devant et derrière. Le touchpad de Palm, même par moi, exemple. Je m'y attendais. De HP qui est mortel, qui malheureusement je suis encore terriblement triste pour HP parce que deux semaines après avoir présenté leur truc, enfin un mois pour le coup, mortel se ramasse encore une claque d'Apple, ça me fait un peu mal quelque part. Parce que j'aime bien ce que fait HP avec WebOS. Eux ils n'ont pas de caméra derrière. Maintenant, l'idée, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est le côté on ne met une caméra que pour FaceTime quoi. Ensuite, le dual core. Ils n'étaient pas non plus obligés, c'est pas toutes les tablettes qui ont des processeurs aussi mortels que ça. Ils prennent quand même une petite avance, alors le Touchstone de Palm va l'avoir, je crois que le Motorola Zoom va avoir ça, mais ils ne l'auront pas tous. Ensuite, au niveau app, on est quand même gâtés parce qu'on a FaceTime, on a Photo Boost, on a... Mais les pas. Ça c'est les apps qui existent déjà. Mais on a iMovie. Tu peux regarder des photos dessus. Okay. Mais, alors attention parce qu'on a iMovie et GarageBand. Ah, il y a Google Maps aussi. Ce qui n'est pas trop mal. Bon, vous avez fini. Ce qui n'est pas trop mal. c'est à voir. Est-ce que ça tourne que sur l'iPad 2 ou sur l'iPad 1? Je pense que ça tournera surtout les iPhone, iPad, quelle que soit leur génération. Là. Ouais. Et donc, il y a moins de plus-value à l'iPad 2. Après, et tant mieux. Hein, parce que c'est après, si, par contre, s'ils me disent demain que iMovie, GarageBand et les autres applications qui vont sortir d'Apple tournent que sur l'iPad 2, là, on l'aura mauvaise. Bah ouais, mais c'est la vie. Non mais, là, ça fait un an, il a moins d'un an l'iPad, là, c'est pour ça. Après, il y a quand même... Dans 2-3 ans, c'est normal que, bah oui, que ça soit dépassé et qu'il faille changer. Mais moi, au bout d'un an que ça marche pas, là, je serai mauvaise. Ouais. Tu n'es pas un bon fanboy, c'est tout. Mais il y a toute une question qui se pose sur les apps. C'est de savoir si ce sont devenus des produits consommables. C'est-à-dire que quand tu payes 79 centimes ou 5 euros une application d'édition vidéo, c'est sûr, c'est imbattable à ce prix-là. Est-ce que ça veut dire que tu ne payes cette version que pour une période donnée, c'est-à-dire à peu près un an, et puis quand le modèle change, bah, il faut repayer 5 euros? Ou est-ce que ça reste le vieux principe classique d'une app ou une application, tu dois être censé s'en... Oui, c'est ça, c'est devenu consommable. Tu parles du principe que... C'est aussi parce que t'as plus d'offres, t'as moins de fidélité des consommateurs. C'est quoi, jusqu'à présent, les applications qu'il y a eu sur iOS, hein, que ce soit celle d'Apple ou les autres, une fois que tu les avais achetées et mises à jour, t'as jamais eu à repayer. Pour l'iPhone, ça fait plus d'un an, ça fait 2-3 ans, mais... Moi je suis triste parce qu'on a eu iMovie et GarageBand aujourd'hui, alors que moi je voulais absolument voir iDVD sur iPad. Avec un port USB pour brancher les caméras. Mais c'est quand même sympa parce qu'on a tout iLife en gros, parce que iPhoto on l'a déjà, c'est l'application photo, ouais. C'est tout. Attends, une application photo, tu peux même pas retourner les photos, je sais pas ce que t'appelles. Alors c'est pas une application photo parce que tu les importes, ils te mettent dans un... C'est tu peux pas faire en développement sur iPhoto, tu peux pas faire grand chose. Ah, mais ça, c'est l'application iPhoto, ils vont l'améliorer. Mais ils ont encore de la marge pour l'améliorer. Enfin, ils peuvent que l'améliorer parce que là, c'est juste. Actuellement, l'application iPhoto sur iPad, c'est je stoppe mes photos, je décharge mes photos de mon appareil. Ouais. Ah, au fait, je peux les regarder, mais c'est tout. En fait, iMovie, iPhone 4. iPod Touch et iPad 2. iMovie tombe pas sur iPad 1. Je suis vénère. Ah bah voilà, c'est dommage. Hein. Voilà. Et donc tu vas acheter un iPad 2. On verra. Ah mais attends, GarageBand pareil. Écoute, GarageBand, je sais pas pourquoi, mais je me sens bien venir. Suspense. Écoute, suspense. Là, pour le coup, ils vont le mettre dans le fond, là, tu vois. Ah ben ils disent rien. Donc peut-être que GarageBand. Écoute, l'idée d'iMovie, c'est que tu filmes avec l'iPad. C'est ça l'idée surtout. À mon avis, tu vas pas importer tes vidéos. L'idée c'est que tu filmes avec ton iPad et puis directement tu fais le montage. C'est juste que ça va probablement avoir l'air très très particulier, quelqu'un qui filme avec son iPad. Ceci dit, ce sera le plus grand viseur sur un caméscope jamais réalisé. Là pour le coup. Ça va le coup de réduire la taille des appareils photos, c'est pour pas. Alors moi je trouve ça, ce que je trouve bien, c'est pour revenir sur ce que Pascal disait, et après je vais laisser parler à Aya quand même. Oui, j'ai rien à dire. Même si elle n'a rien à dire. L'iPad 1, c'est super has-been. C'est vrai que. C'est vintage, c'est vintage. C'est vintage, c'est vintage. Vintage, c'est bien, has-been, c'est pas bien.
Autant j'adorais la housse de l'iPad 1 pour l'avoir vu chez beaucoup de gens et reconnaître que, aisément que c'était la meilleure housse sur le marché, autant il y avait un truc qui m'énervait terriblement, c'était le fait qu'elle cachait, elle semi-cachait tous les connecteurs, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des trous pour les connecteurs. Donc je trouve que ce nouveau, comment il l'appelle, cover, smart cover, c'est plutôt pas mal parce que le dos de l'iPod, entre autres, de l'iPad, entre autres, j'ai envie de le voir, quoi. Et ça, c'est pas ça que je veux protéger. Faut dire aussi que ce qui était dommage, c'est que l'iPad est très agréable au toucher. Ouais. C'est vraiment, je sais pas comment ils arrivent à créer ce rendu. C'est ça que t'imagines les applications porno interactives que tu pourrais avoir dessus. Non, c'est pas si plaisant. Hashtag Twitter NSFW. Not safe for work. Tu disais ce que tu voulais finir en fait, non? Ouais, non. Je t'avais été coupé par le porno. Donc. Non, mais c'est très étrange. Moi, franchement, c'est ce qui m'impressionne le plus parce que c'est très bizarre ce concept de. Je sais pas ce que ça c'est. Ça va très bien. Ça va très bien avec la philosophie d'Apple. C'est. On fait des beaux produits. Ah non, pour moi, c'est l'inverse. Tu peux clairement dire que tu as envie de toucher ton iPad. Bah oui, on a envie de toucher. C'est un smart cover, là. Non, mais attends, je suis désolé. Je pense que Apple, ce qui a toujours été la force d'Apple, c'est qu'ils ont toujours travaillé tous les sens sur un appareil. Ça s'est jamais limité à des caractéristiques. Pas d'odorat. Hein? Pas d'odorat. Attends. Alors là, je suis pas d'accord. Ouvre une boîte d'un Mac. Oui, 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 ça, oui, on est d'accord. Tu as une odeur Apple que tu as depuis tous les jours. Tu as depuis toujours sur tous les produits. Il est payé pour. Non, mais que tu as depuis toujours sur tous les produits. Le premier iPod, tu ouvres, tu as cette odeur comme quand tu ouvres un livre. Non, ils ont toujours tout travaillé. Oui, bah parce que leur emballage, ils sont à mort, plein de cartons. Bon, alors, Alia, c'est à toi de parler. Oui, donc vous imaginez une possibilité de porno sur une machine qu'on a envie de tricoter à ce point-là. Bon, écrit un peu plus fort. Moi, je dis chat roulette à l'avenir sur iPad. Chat roulette, hein, bah, toi, tu le fais exprès avec le porno. Ah oui. On va changer de sujet, les gars. Mais oui, chat roulette sur iPad, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que. Mais c'est sûr que non, c'est sûr que. Non, par contre, elle a complètement raison. Dans le sens où la caméra frontale, pour laquelle on va très probablement avoir des API, les développeurs, ouais, ça peut ouvrir certaines portes. Le problème, c'est le review process, quoi. Donc ça ouvre peut-être beaucoup de portes pour le jailbreak. Ouais, pour la validation Apple, c'est toujours pareil. Ouais, ça fait des possibilités. Mais donc voilà. Mais alors par contre, ce qui était impressionnant dans Steven, c'était d'abord qu'ils ne l'ont pas rediffusé, donc on a eu que Steve Jobs était là. Mais que Steve Jobs était là, il avait l'air plutôt en pleine forme. Donc je serais curieux. Ça va rien. Et on va voir si on peut. Malheureusement, le mec a un concert, donc la pleine forme, voilà. C'est voilà, ça va aller, ouais. En plus, il a un concert, il y a une forme de concert les plus rares au monde, et pour tous les concerts, même les plus courants, on connaît des cas de gens qui chutent. C'est le cancer de la pomme d'Adam, il paraît. On connaît aussi des gens qui sont milliardaires et qui arrivent mieux à se soigner que. Bah voilà. Non, c'est pas une question de milliardaire, vraiment pas. C'est à la meilleure médecine quand même, au meilleur médecin quand t'es. Ça, c'est non, des organes, c'est tout. Ça aussi. Mais non, ce qui est aussi vrai, c'est quand ça. Il y a l'histoire de ce mec qui a un cancer du pancréas, le truc normalement tu meurs en 15 jours et qui a survécu 2 ans parce qu'il y a des trucs qui lui plaisent dans la vie. Et ça, c'est un truc que les médecins ne savent pas expliquer. Pas trop parce que ça sort de leur petite case de médecin. Ça, c'est des photos intéressantes. C'est le seul truc qui ne pas vraiment sa succession. On est juste en train de regarder les, les photos. On regarde les photos qui sont sur Engadget, qui sont des photos prises par Engadget en humain en hands-on, qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas préformatées à la Apple. Donc, ça permet de les voir dans beaucoup d'angles différents. Et moi, je vous le dis tout de suite, je vais essayer de me simplifier la tâche. Administratif dans ma famille en faisant très probablement un cadeau à quelqu'un d'assez proche de moi qui sera probablement avec pas de plan et au pire j'utiliserai moi au pire. Comment on fait pour devenir membre de ta famille et le dernier qui m'a dit ça c'était formation ici juste avant que j'envoie mes parents aux Canaries. Il faudrait épouser une de ses filles. Et si nos filles s'épousent entre elles, ça peut marcher. Bah écoute, je vais pas arranger pour faire des garçons comme toi t'as arrêté de toute façon. Voilà. Moi, je suis pas contre le mariage, il n'y a pas de problème. Donc tu as deux options, soit tu attends que j'ai un garçon, soit tu t'y remets. Non, on va faire des images. En quelques secondes, tu peux y aller. Je ne commente pas. En quelques secondes. Alors il y a une charmante demoiselle qui a fait ça, c'est une beaucoup moins charmante, enfin, en tout cas au niveau physique, c'est Joshua Topolsky. Là, on voit des photos de FaceTime, bon, ça c'est pas. Par contre, le plus proche, moi ce que j'aurais voulu voir, c'était. Il y a juste bêtement en dessous, en fait, j'aurais voulu voir s'il y a juste le dock connecteur, simplement. Ce que j'imagine. Ah, oui, il n'y a aucun autre port. Ah oui, parce que. Tu as remarqué que je suis passé trois fois dans la même photo. C'est toi.
sans remarquer. Bien sûr que tu as. C'est marrant, tu commences à faire des cartes maintenant. En fait, ils l'ont enlevé. En dessous. Et tout par-dessus. Ils l'ont enlevé, ça serait pas mal ça. Et chargement inductif. Inductif. Ah, chargement inductif. C'est ça, le haut-parleur il est bien derrière. Par contre, ça c'est un truc sur le touchpad justement de HP, parce que HP avec qui je suis en contact et avec qui je m'intéresse de plus en plus m'a envoyé le Pre 2. Et ils ont fait un event il y a quelques temps où ils ont parlé du. Donc qui est plutôt pas mal, plutôt assez mortel d'ailleurs. Enfin, je ne vais pas vous faire une démo comme eux, mais. On est quand même un capable, alors la démo. Ouais, mais par contre, je kiffe bien mon ban. Mais ils ont présenté le touchpad, qui est donc en ligne de concurrence directe avec l'iPad. Non, 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 il y a un truc qui est terrible avec ça, c'est que ça, quand tu veux le charger, tu le colles au chargeur et ça se charge à induction. Donc, t'as pas besoin de brancher un câble pour charger ça. Tu branches jamais ça sur un câble quand tu dois charger quand t'es à la maison. Ici, attends. J'ai pas pris mon chargeur avec moi. Mais la touchpad, c'est la même chose. C'est le pas tu le mets et il charge à induction. Et donc, du coup, la dock, parce que là, ils ont pas, je vais pas se remarquer, ils ont pas solutionné le problème de la docking station où t'es tout le temps en portrait. Oui. Parce que ça se charge toujours avec ce putain de port dock connection qui commence à me sortir un peu. Ah oui, mais moi, je trouve que c'est plus un iPad 1,5. Un iPad 2. Dis-moi, qu'est-ce que t'attendrais de révolutionnaire sur un produit pareil un an après sa sortie? Bon, je suis très intéressé. C'est vrai que c'est un an. J'ai pas posé une question à toi. Non, j'ai remarqué qu'elle est toujours aussi diplomate. Hein. Non, mais je l'aurais pas appelé. C'est normal qu'il l'appelle iPad 2 parce que ça sonne. Mais il l'appelle pas iPad 2, c'est aussi. Enfin, il l'appelle. Non, mais vas-y, sois créatif. Imagine que tu puisses concevoir l'iPad que tu veux. Vas-y, conçois. Bah moi déjà le principe du dock connector comme ça, placé que d'un côté pour un appareil dont tu peux tourner l'écran, tu peux l'utiliser dans tous les sens, franchement dès que tu le branches, tu te dis ça il y a quelque chose à inventer quoi, je sais pas. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que sur le touchpad et tous les autres les appareils webOS, tu peux transmettre, tu reçois un SMS sur ton Pre, il apparaît sur ton touchpad, tu réponds de ton touchpad, il est envoyé sur ton Pre, tu veux passer une URL d'un touchpad au Pre, tu le touches. Elle passe et la page web que tu avais ouverte sur ton Pre s'ouvre sur ton touchpad. Et toute cette interaction, elle manque sérieusement dans l'iPad. Autant j'adore l'iPhone, ça reste mon choix. Autant l'iPad 2 sera mortel. Autant il y a des tas de trucs chez HP. J'ai beaucoup de mal à dire HP, je préfère dire Palm, qui sont mortels. Et notamment, encore une fois, le chargement par induction. Le seul problème du chargement par induction, c'est que ça dure plus longtemps et ça bouffe plus d'électricité. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des sociétés que ça ne dérange pas. Ça pourrait être pire. Là les images ne chargent plus. Donc on est un petit peu perdu sans nos images. Donc par contre l'iPad blanc on le voit en vrai, on ne sait pas si vraiment il va arriver ou si ce sera comme l'iPhone blanc dont on n'a pas de nouvelles. On est. Si vous le voyez, tu crois qu'il fait deux fois la même erreur? J'ai peur. Vraiment. Et on n'a jamais vraiment trop su pourquoi il n'y avait pas eu d'iPhone blanc. Mais si en fait c'est à cause du fait que quand tu fais des photos à cause du flash. Tu crois que c'est que ouais, ça? Ouais, non, mais c'est ça. À mon avis, je suis pas sûr effectivement d'avoir. Quand tu fais des photos avec le flash, on a plus internet. Ouais, ça se réfléchit, le flash réfléchit sur le blanc et ça fait. C'était un truc. Attends, mais il n'y a pas de flash devant sur un iPhone. Comme quoi, il y a des trucs qui réfléchissent. Il n'y a pas de flash sur un iPhone. C'est derrière. Le blanc est derrière. Et il se reflétait sur. Il crée une zone colorée de niveau couleur qui n'était pas l'original. D'accord. Mais bon, de là à dire que c'est que ça. À mon avis, il y avait d'autres choses. D'après l'interview de Bose par Engadget, qui lui a réussi à. Que je recommande d'ailleurs, cette interview est mortelle. Lui a réussi à récupérer une des coques blanches. Ouais. Donc il racontait que Apple avait contracté des Chinois, enfin des usines en Chine, pour faire des coques blanches. Et on avait commandé, avait passé les commandes. Quand ils ont su avec les iPhones blancs, donc ils se sont aperçus qu'en fait. Elle marchait pas aussi bien qu'ils avaient espéré avoir passé la commande, et ils ont décidé à ce moment-là d'arrêter et de les remettre en noir. Il a dit que c'est une genre de soit erreur de fabrication, soit erreur de design, qu'ils n'avaient pas vu un truc. Genre,
mettra la matière et au même endroit. Ils n'ont pas le temps de refaire une itération pour la mettre, puis résoudre les problèmes. Donc voilà, sur les données. C'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la logistique et de la prod de proposer deux modèles comme ça. Ils le font pour les iPods en couleur, ah, ils le font maintenant pour les iPads. Deux, non, je pense pas que ce soit. Une fois que tu l'as abandonné, le remettre en route, le blanc peut-être, que tu l'as jamais fait, et je pense pas qu'ils vont faire la même erreur pour l'iPod blanc. Pour l'iPad blanc. Non, est-ce que je suis en train d'essayer de chercher des. Ouais, c'est vrai, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Oui, bien. Allez, on va arrêter. On va aller se coucher. Non, ce que je cherchais avant qu'on arrête, parce qu'effectivement, on va faire trop long. Parce qu'après, moi, derrière, je vais devoir m'occuper du montage et tout ça. Enfin, peut-être je peux l'envoyer à Phil, en fait. je cherchais ça, Phil. Je cherchais des photos de Lee Papi, de Steve Jobs, mais elles ne sont pas faciles à trouver. Parce que comme il était là, vous pourriez vous dire que quelqu'un sur la keynote de Engadget, là, ils n'ont pas laissé en ligne. Ah ouais, sur la keynote, ouais, c'est pas idiot, effectivement. Il y avait un truc comme ça qui s'appelait la keynote. Voilà. Ah oui, alors en fait, j'ai trouvé ça très rigolo. Je me suis demandé ce que ça symbolisait, les petites touches de couleur. Tu sais, au Moscone Center, ils avaient mis une affiche avec une pomme. Ouais. Et je croyais que c'était les traces de doigts. Non, je crois que c'est bien des sortes de traces de doigts colorées. Mais c'était avant ça, non? C'était quand ils ont sorti l'iPad, ça. Non. Ce que tu as vu là, c'était. Parce que quand ils ont sorti l'iPad 1, ils avaient déjà ça en fait. Mais ils avaient non des taches de couleur, je crois. C'est pas ça l'histoire? Et là, on dirait des traces de doigts. Attends, là, sur les photos, on voit l'intérieur de l'iPad. Ouais, écoute, on voit dans la vidéo. Hein. C'est la vidéo. Sur la vidéo, on le voit. Hein. Ah, j'avais pas. Oui, c'est un mini-boutique. En clair, le site iFixit, ils ont même plus besoin de le démonter. C'est déjà quoi? C'est un peu ça, quoi. Ceci dit, peut-être que. On peut le faire quand même. C'est déjà en ligne. Peut-être que je me trompe, mais je me souviens pas d'avoir vu un Steve Jobs dans une aussi bonne forme, physiquement. Enfin, d'ici là, il est moins maigre que la dernière fois, c'est clair. Ou alors il prend un traitement qui lui fait stéroïdes, qui lui fait le visage. Remonte-le en jean, c'est ça qui est intéressant. Il flottait dans ses jeans, c'était horrible. Avant, ouais, c'est vrai. Il a changé la taille de ses jeans, c'est tout. Il a l'air mieux. Mais effectivement, je peux confirmer. Ou alors, soit il est plus fatigué. Ce qu'il faut regarder, c'est les bras, les poignets, le visage, on voit pas bien. Alors, ça devient morbide, les gars. Ouais, ça fait le journal de la santé, là. On va s'arrêter là. De toute façon, lui, on n'est pas médecin, on peut pas. Non, c'est juste moi, je m'inquiète plutôt. C'est vraiment humain. Et Immovie, ça a l'air pas mal. Humainement, c'est bien gentil. Par rapport à la version iPhone, ils ont l'air d'avoir. Immovie, ils ont l'air d'avoir. Ouais, bah écoute, ça a l'air d'être vraiment un peu comme Immovie en vrai sur Mac, ça a l'air vraiment pas mal, donc on va voir quoi. Je vais regarder vite fait où on en est au niveau. Tu restes petit au Mac? Ouais, 34 minutes. Donc, que reste-t-il au Mac? Bah écoute, le Mac il reste pour nous les développeurs, parce que tout doucement, des gens comme mes parents. Ils vont passer développeurs. Ils vont passer développeurs, voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas gagné si je dois expliquer Objectif C et Coco à ma mère, c'est pas gagné. Hein. Non, arrête. Ce qui manque sur l'iPad 2 et sur le iOS 4.3, c'est quand même d'avoir des sessions différentes pour les utilisateurs différents. Bah, est-ce que comme sur Amazon ça? Bah ouais, parce que maintenant aussi, sur Mac, maintenant en famille. Non, mais sur le mail, c'est pas grave, tu sais faire plusieurs comptes et puis chacun lit son compte. Bah, chacun lit son compte, mais après pour la musique, c'est pareil. La musique, pour le mail, pour le compte Facebook, pour le compte Twitter. Qu'est-ce que c'est que cette idée de ne pas avoir chacun son iPad? Voilà, bah, c'est ça, alors chacun son iPad. T'es en train de me dire que tes filles à Noël, tu vas pas leur offrir un iPad, c'est ça? Mais non, je vais leur donner mon iPad 1, quand j'aurai l'iPad 2. C'est dommage. C'est terrible aux enfants de toujours avoir les anciennes bécanes. En même temps, j'aurais préféré avoir un père qui me donne ses anciennes bécanes plutôt que devoir les acheter moi-même. Voilà. Bon, on va en rester là, je crois, parce qu'on a fait un bon truc d'une bonne demi-heure, donc je pense que c'est pas mal. C'est un bon résumé. Bon, on sait pas, mais une bonne demi-heure, certes. Ouais. Enfin, bon, on sait pas, parce que comment t'avais invité. Donc, merci à tous d'avoir été là, même Alia. Surtout Alia. C'est trop bien. Si vous savez ce que j'ai raté pour vous. Et bah, nous, on se retrouvera un de ces quatre en version. Parce que voilà, c'est le dernier morceau de Brownie, donc on est vraiment désolé pour vous. Ça c'est beau. Voilà, donc. Tu l'as mangé déjà sur la Brownie. Et puis je vous rappelle, un apple pie aurait quand même été. On va se quitter avec la nouvelle phrase de podcast qui est de globalement, c'est de dire qu'on se reverra la prochaine fois si Steve Jobs le veut. Salut. 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 Salut.
comment?